demander à des jeunes très motivés du Conseil régional de la jeunesse qui travaillent bien. Nous avons un conseil régional de la jeunesse très vivant et nous leur avons proposé d'expérimenter un dispositif sac à dos qui permet en fait de partir en autonomie et d'être les témoins pour que, à leur tour, l'année prochaine, d'autres jeunes puissent partir, mais cette fois-ci en grandeur nature, avec un vrai dispositif, donc ouvert de manière beaucoup plus large à tout le public jeune. Et la Loire à vélo est particulièrement bien adaptée à cette expérimentation parce que quand on a le tourisme à vélo, il n'y a rien qui est écrit d'avance. Donc en fait, on a un groupe de 7. Moi, je viens d'Orléans. Les 6 autres viennent de Tours. On se connaît parce qu'on fait une partie des membres du groupe font partie du Conseil régional de la jeunesse, moi y compris. Et en fait, on va faire Tours-Angers sur 3 jours et on va s'arrêter à Monceron. Donc on fait Tours-Monceron-Angers. Et on rentre en train parce que certains trains acceptent les vélos. Donc on rentre en TER. Et ben, vous pouvez nous suivre sur la page du Facebook du Serge, donc, la page Facebook du Conseil régional de la jeunesse.